Salut tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un superbe tuto d'un magnifique Decathlon, donc un superbe magasin Decathlon. J'espère vraiment que le tuto va vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit like, petit défi 300 likes, et n'hésitez pas également à aller vous abonner à ma chaîne secondaire. Encore une fois, je reviens sur le fait que j'ai fait une nouvelle chaîne, donc une chaîne secondaire où on a presque, les amis, 500 abonnés. Donc voilà, vous avez fait vraiment de beaux efforts et je tiens vraiment à vous remercier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien de la chaîne sera en description. Donc voilà, le tuto du Decathlon. Ce Decathlon se fera en deux parties, une partie extérieure et une partie où nous ferons l'intérieur du magasin. Du coup, ici, on est sur la façade avant avec l'entrée qui est située juste là. Voilà, je vous montre un peu. Au niveau de l'arrière, c'est assez, assez sobre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de détails. Regardez, c'est assez facile à faire. Vous allez voir, hein, le tuto est très, très simple à faire. Donc voilà, vraiment pas trop de détails au niveau de l'arrière. Mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, le tuto rend vraiment assez bien au niveau de l'intérieur. Voilà, je n'ai pas encore fait l'intérieur vu que ce sera l'épisode 2. Donc voilà, en tout cas les amis, on va se retrouver tout de suite pour le tuto en espérant que celui-ci vous plaira. On se retrouve tout de suite. Les amis, pour le tuto, nous allons avoir besoin des différents blocs que j'ai ici ci-dessous. Donc nous allons prendre les planches de sapin, les escaliers en pierre, les vitres teintées en noir, les dalles en briques, les tapis blancs, le béton bleu ciel, les vitres teintées en gris, le bloc de fer et la pierre normale. Donc voilà. Une fois que vous avez pris tous ces blocs-là, on va commencer directement en prenant la pierre. Et par exemple, imaginons que votre route se situe juste là. Vous pouvez aller vous positionner à environ 10-15 blocs de votre route, sauf si vous voulez faire un parking devant. Alors là, mettez-vous un peu plus loin, mais moi, voilà, je vais me positionner juste là, à 10 blocs de ma route. Du coup, je peux tout simplement venir aller à cet endroit-là, on va dire. Hein. On va commencer par la partie de gauche du mur. Et on va pouvoir, du coup, commencer ici en mettant 28 blocs de pierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Alors une fois qu'on a mis nos 28 blocs comme cela, on peut ensuite prendre les vitres teintées en noir et on va en ajouter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand c'est fait, on se tourne vers la droite et là on va pouvoir en ajouter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite on reprend la pierre et là on va pouvoir ajouter 17 pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quand c'est fait, on peut démarrer d'ici et on va tout simplement sans compter aller vers là-bas. Vous allez voir, c'est très, très simple. Hop, voilà, une fois qu'on est arrivé à la même ligne que celui-ci, hop, on peut tout simplement faire correspondre nos deux murs et obtenir ce rectangle. Alors, on va ajouter tout simplement sur la pierre ici, on va pouvoir encore ajouter un, deux blocs, comme ça, là, je vais quand même vérifier, mais normalement, c'est bien ça, oui, c'est ça. Donc, vous ajoutez encore deux blocs comme cela en hauteur. Comme ça, sur toute la pierre, on va se retrouver tout de suite. Voilà les amis, quand c'est fait, maintenant vous allez prendre les escaliers en pierre. Vous allez venir ici sur ce bloc-là, vous allez en mettre un comme cela. Et ici, pareil, on en met un, hop, dans ce sens-là. Ensuite, on peut tout simplement démarrer comme cela, dans ma position. Et on va tout simplement faire tout le contour. Voilà, donc on fait vraiment tout le contour du magasin, comme cela, avec les escaliers, comme ça. Voilà, et ici, on termine comme ça, parfait. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va prendre ici, hop, les planches de sapin. Alors je vais vérifier quand même combien j'avais mis. Ok, parfait. Donc on va venir juste là, hop, juste ici, et on va faire, hop, comme ça, on va tout simplement aller tout dessus de la pierre. On va faire ça sur tout le tour du magasin. Donc regardez, hop, je vais vraiment partout. Voilà, hop, là je continue. Parfait, et ici encore. Donc hop, là je ne m'arrête pas là, je fais vraiment tout le tour en venant même au-dessus des vitres. Parfait. Quand c'est fait, on peut reprendre nos vitres teintées en noir et on va ici en ajouter au-dessus des premières vitres qu'on avait posées, hein, tout simplement. Donc hop, on fait ça comme ça. Voilà, et ici on fait exactement la même chose. Parfait.
Ensuite, on peut reprendre nos planches en sapin. On va venir ici, on va ajouter 1, 2, 3, 4, 5 planches, pardon. Et on fait ça sur l'ensemble du rectangle ici. On va se retrouver tout de suite. Ok, parfait les amis. Quand vous avez fait ça, vous pouvez prendre le béton bleu ciel. On va venir ici sur le coin. On va faire ici, regardez, on fait ça comme ça. On en met un. Et puis on descend encore sur au total 4 blocs. Donc 1, 2, 3, 4. Parfait. Ensuite, on va tout simplement ajouter 13 blocs à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on fait la même chose à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On fait ça sur les 4 blocs en hauteur. Ok, parfait. Quand c'est fait, les amis, on peut tout simplement venir ici au niveau des vitres teintées en noir. Et on va tout simplement... Alors, attendez, je regarde comment j'ai fait. On va prendre ici les piliers, les murets du coup en diorite. On va venir ici au niveau du troisième bloc. Donc 1, 2, 3. Et on fait ici 1, 2, 3. D'accord. Ensuite, on laisse 4 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4. Et au cinquième, on fait exactement la même chose. Du coup, on obtient ça. On peut ensuite casser les deux vitres du milieu comme cela. Et ensuite, on met les dalles en briques par au-dessus comme ça. Parfait. Du coup, nous obtenons ici notre entrée. Quand c'est fait, vous prenez les tapis blancs. On va venir ici sur la gauche. Vous venez ici au deuxième bloc. Vous allez faire 1, 2. Puis, on va simplement aller comme ça. Hop, jusque là-bas, au fond du mur. Voilà, on continue comme ça ici. Voilà, on continue encore et on va tout simplement s'arrêter. Voilà, ici au niveau de ce bloc-là. D'accord ? Ensuite, ce que l'on peut faire, les amis, c'est tout simplement... Hop, je vais faire ça, ça va être plus facile. On va prendre des feuilles tropicales, on va prendre des très hautes herbes. On va prendre également ici les pivoines et on va prendre aussi alors les hautes herbes et peut-être également des petites fleurs donc comme les voilà ici les oustonies. Parfait, vous prenez ça et tout simplement là je vais mettre en accéléré, je vais tout simplement en mettre un peu dans tous les sens au niveau de la petite ligne d'herbe qu'on a là. Regardez, je vais faire ça tout de suite. Alors voilà les amis, vous pouvez remarquer, j'ai donc terminé de faire mes petites végétations. Je trouve ça assez sympa en tout cas. Moi, j'aime bien. Quand c'est fait, vous pouvez maintenant prendre les vitres teintées en gris. Hop, et on va pouvoir se rendre ici. Hop, hop, hop. On va venir donc sur ce mur-là. On va venir au niveau du troisième bloc en hauteur, comme ça. Regardez, 1, 2, 3. Et on laisse 2 blocs d'espace sur notre gauche. Ensuite, ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on met des vitres comme cela. Ensuite, on laisse 3 blocs d'espace et on refait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on remet ça comme ça. Parfait, nous obtenons donc ici un peu de détails. Moi, j'aime bien. Vous pouvez toujours en ajouter ailleurs. Ça, c'est comme vous le désirez. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez faire ça comme ça. Regardez, hop, je vous montre, par exemple, des détails que l'on peut faire assez facilement. Voilà, deux petites fenêtres comme ça, voilà, ça c'est comme vous voulez, les détails. Vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Quand on a fait ça, les amis, on peut maintenant, hop, 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 venir chercher le bloc ici de pierre lisse. On va venir là, et tout simplement ici, on va pouvoir casser les blocs comme cela, ici également. Voilà, je vais m'arrêter ici, et on peut mettre du coup de la pierre lisse comme ça et on va en mettre également juste là. Voilà, parfait. Ensuite, quand c'est fait, vous prenez maintenant, hop, ici le bloc
Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est le bloc de fer que je veux. Alors, je sais plus où il est. Voilà, parfait. Le bloc de fer. On va venir à l'intérieur et vous allez tout simplement recouvrir l'ensemble ici de l'intérieur avec le bloc de fer. Donc, vous enlevez toute l'herbe, vous mettez le bloc de fer et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai donc terminé de remettre donc le bloc de fer partout sur le sol. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sortir du magasin. Vous allez prendre maintenant les escaliers en sapin et on va pouvoir venir sur cette face-ci et rajouter un peu plus de détails. Donc on vient au niveau du bas, on va faire ici 1, 2, 3, 4, 5 et on va mettre des escaliers comme ça. Et on va faire ça sur tous les niveaux. Donc regardez, hop, je fais ça comme ça, ça permet vraiment de rajouter du détail, moi en tout cas j'apprécie. Donc hop, je fais ça jusque là et c'est parfait. Si vous voulez rajouter encore plus de détails, vous pouvez tout simplement par exemple faire d'un côté comme ça, puis d'un côté comme ça, hop, ensuite l'inverse comme ça, comme ça, et ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez sympa. Hop, vous voyez, avoir un mur vraiment qui est assez cool. Du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours rajouter un peu plus de détails, hein, en mettant de la végétation par exemple tout autour, hein, de tout autour ici par exemple juste là, hein. Ça c'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez faire ça vraiment tout autour du magasin. Voilà, par exemple si je fais ça comme ça, voilà, ça permet vraiment de rajouter de la végétation. Là pareil, vous pouvez toujours rajouter des vitres, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. En tout cas voilà, je regarde si je n'ai rien oublié de ce côté là si vous souhaitez même de ce côté là vous pouvez toujours rajouter du détail en mettant par exemple des petits blocs comme ça un peu partout. Vous voyez, hop, ça permet de rajouter du détail et c'est assez sympa. Vous voyez, en tout cas moi j'aime bien. Hop, voilà, je vais faire ça comme ça. Parfait. Hop, j'en rajoute un peu par ici aussi, hein. Voilà, ça permet vraiment de rajouter du détail et moi je trouve ça sympa. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on a vraiment quasi terminé. Il nous reste maintenant plus que ici le toit à faire. Hein. Donc pour le toit, tout simplement, ça va être très facile. Vous allez pouvoir déjà dans un premier temps prendre les tapis ici, hop, les tapis gris. Vous allez faire ici, hop, tout le tour sur le bois avec le tapis gris. On va se retrouver tout de suite. Ok, parfait. Quand vous avez mis le tapis gris partout, maintenant, vous allez pouvoir prendre les pierre lisse et on va pouvoir remplir la totalité du toit avec la pierre lisse. On va se retrouver tout de suite. Ok, voilà les amis, j'ai donc terminé de faire le toit avec la pierre lisse. Vous pouvez voir que le résultat est assez cool. Donc voilà les amis, on a fini pour ce qui est de l'extérieur du décathlon. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour faire tout simplement l'intérieur. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement déjà faire le petit parking, parce que ça il ne sera pas dans le tuto. Du coup moi je vous conseille, pour que le tutoriel soit beaucoup plus réaliste, c'est de faire par exemple un parking tout autour du décathlon. Voilà, vous faites un petit parking avec plein de places de parking et je pense que ce sera assez sympa. Du coup voilà, on se retrouve assez vite pour de prochains tutos, de prochaines vidéos. On se retrouve du coup pour l'épisode 2 assez vite. C'était Cardex, salut à tous.